Corinne Front est un mouvement qui est un mouvement neuf, hein, on n'a que quelques années, c'est notre première élection municipale, donc je considère que c'est assez encourageant malgré tout. D'accord. Quel est votre sentiment ce soir ? Un peu de surprise quand même par rapport au score réalisé par le maire sortant, mais manifestement ça semble convenir aux Ajacciens, donc on le félicite bien entendu, puisque c'est normal, il faut féliciter le vainqueur, même si moi je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour Ajaccio. Élu au premier tour, Laurent Marcangeli, c'est une surprise ? Oui, ça reste une surprise quand même malgré tout. Hein. Je ne pense pas que grand monde s'attendait à ce qu'il soit élu dès le premier tour. Comment vous expliquez ce résultat ? Je ne sais pas, il faudra prendre un petit peu de recul pour essayer de l'analyser. Bon, on était dans des conditions particulières, mais les conditions elles étaient particulières, elles étaient pour tout le monde. Donc, a priori, pas d'explication, je dirais, rationnelle, immédiate, qui me vient à l'esprit. Mais ça mérite, oui, de voir un petit peu véritablement ce qui a pu se passer. L'abstention ? L'abstention a joué, mais enfin, elle est censée jouer pour tout le monde, hein, en principe. Donc, je ne sais pas. Peut-être que les personnes qui votent pour Laurent Marcangeli se sont davantage mobilisées que les autres. Pourquoi pas ? Thank you.